larger or the same as the 360 version? It's the same. Two versions of the game are basically exactly the same. PS3 maybe has slightly sharper graphics. Here, a lot of previous Sonic games have had basically a very linear plot line to them. When you're going through the levels in this version, you have choices about where you can go. You can go up to the left here, that's one path to the valley, or you can go up to the right, that's a completely different route. Thank you.
Genji's still getting you down, Dan? Why not try the Blue Wonder as he speeds onto Xbox 360 and PlayStation 3? Alright guys, remember this, the Genesis era, he's back with PlayStation 3. Next game we're going to play is Sonic the Hedgehog. The new character for this one is Silver the Hedgehog. You saw me playing before with earlier. The learning curve on this one is pretty steep. I couldn't use his or her psychic abilities. Well, when I'm playing with Sonic, it was more lenient, more easier to control. But if you're a fan, it'll be something for you to easily jump into. With Silver, it was a bit sluggish, slow pace. But with Sonic dashing through bridges, riding rails, everything, yeah, you definitely feel the adrenaline rush. You manage to surf on water, surf on rails, and it's fun. You know, I can see myself getting into this. It's the Sonic I've seen before on the Dreamcast. There's a couple of good new innovative things, but I've seen it and played it before, so I don't personally see myself being overhyping it as much, but I can see fans really getting into this. More of the same, except better graphics, richer graphics.
keine neue Konsole ohne ein neues Sonic. Bei unserem Probespiel kämpften wir mit der noch etwas hakeligen Steuerung, auch die teilweise spartanische Optik mit groben Texturen verleitete uns nicht zu Jubelarien. Wer jedoch ein klassisches 3D-Sonic mit all seinen Stärken und Schwächen erwartet, sollte hier mal einen Blick riskieren. Vieux de la vieille s'il en est, Sonic passe au lifting dans Sonic the Hedgehog pour Xbox 360. Deux types de niveaux sont au programme, d'un côté des phases d'exploration et d'un autre des phases classiques de vitesse. Nouveau venu dans la série, Silver est doté de pouvoirs télékinésiques, prévus pour la fin de l'année. Kein Sega ohne Sonic, hier das Next-Gen Sonic für PS3 und Xbox 360. Das wird natürlich super hübsch und einigermaßen komplex. Mir privat hat aber eigentlich das Sonic für Wii ein bisschen mehr Spaß gemacht. Sieht nicht so gut aus und ist extrem simpel, aber ich finde, es ist puristisch Sonic, war super schnell, benutzt nur einen Knopf und den Wii-Controller, leider durften wir es nicht filmen. Wo wir gerade bei... qui était sur le stand Sega, il y avait plein de jeux dont Sonic Next Gen qui était déjà super beau et là on est encore plus loin quoi. Là on est vraiment en train de jouer, tu regardes le jeu, c'est vraiment super beau quoi. Donc t'as une version PS3 d'ailleurs et 360 qui sont présentées. Il est magnifique quand même. Et surtout, vous allez voir s'il y a quelqu'un qui maîtrise bien le jeu là pendant qu'on regarde, ça va très très vite, hein. C'est vraiment un Sonic. Hein. C'est un pur Sonic, c'est le Sonic que les gens attendaient à la limite, c'est le Sonic dont les gens rêvaient en 3D. Il est super rapide, il est super beau, il est le gameplay aussi intuitif qu'il pouvait l'être à l'époque sur Mega Drive dans sa version 2D. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a trois personnages qui sont jouables dessus. Il y a Shadow, dont il y a eu un épisode il n'y a pas longtemps, il y a Sonic évidemment, et il y a un nouveau personnage en fait, qui s'appelle Silver, qui lui a des pouvoirs de télékinésie en fait, donc il se bat en prenant des caisses, en prenant des rochers et tout ça, et les ballons sur les ennemis. C'est hyper intéressant parce qu'il peut en prendre 1, 2, 3, 4, en fait, il peut prendre un paquet de trucs, et ça rajoute vachement au gameplay, parce qu'en plus lui-même peut se... Il a un espèce de pouvoir, en fait, il peut...
sure. So cool. How was yeah, it? Billy. Billy, sweet. Where are you from? I'm from Delhi, probably. Oh, cool. I'll just play a little bit before you go. Sure. No one is you. Yeah, I'm not a good gamer, so yeah, it means a little bit. I know, where else? Best you can do. We got Gamer Girl.